Produite à 4038 exemplaires entre 2005 et 2006, la Ford GT est la digne héritière de la Ford GT40 qui s'est hissée aux trois premières places des 24 heures du Mans en 1966. Malgré l'absence totale de fibres de carbone et de toute aide électronique au pilotage, la Ford GT peut sembler dépassée par les supercars de l'ère moderne. Mais bon sang ne saurait mentir, et une fois sur la piste, la mécanique reprend ses droits. La mécanique, un moteur V8 de 5,4 litres, entièrement en aluminium et installé en position centrale pour implantation très basse dans le châssis. Doté d'un compresseur lui permettant de développer 550 chevaux au régime de 6500 tours minute, la voiture s'acquitte du 0 à 100 km/h en 3 secondes 7. Capable de dépasser 320 km/h en vitesse de pointe, la GT présente un comportement très incisif, mais toujours très sain, sans mauvaise surprise. Côté style, si à première vue la GT semble identique à la GT40 d'antan, la plus moderne des deux est plus longue, plus large, plus haute et présente surtout une architecture très différente. Les versions 2006 pouvaient recevoir des peintures bicolores, au choix gris tungstène et bande couleur argent ou la légendaire livrée orange et bleu. Yeah.
démarrage. Attention, une ER, ça a été mise en place dans votre zone. Vous voyez, très prudent. Alerte. Ces unités, nos armes sont en vie.